Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Et oui, enfin, bienvenue pour ce test que vous attendiez tous et toutes. C'est BB300. Je vais enfin pouvoir vous livrer mon verdict final, mon avis final et mon ressenti sur ce jeu que j'attendais particulièrement. Il faisait partie de mon top 3 des jeux, de mes attentes, en tout cas de cette année 2015. Et il s'agit de The Witcher 3, Wild Hunt. Ooh yeah! Donc The Witcher 3, le fameux troisième épisode de CD Projekt Red, c'est distribué par Namco Bandai, ne l'oublions pas, ça on appréciera. C'est un titre quand même que Peggy conseille, ah ben au 18 et plus, hein, il faut le dire. Un action RPG sur PS4, Xbox One et PC, qui est sorti donc le 19 mai 2015. Et donc c'est un jeu avec du solo exclusivement, il n'y a pas de multijoueur. Et je serais tenté de vous dire, ouf, un gros ouf de soulagement par rapport à ça. Parce que bon, souvent dans les multijoueurs de ce genre de jeu, bon, c'est pas vraiment très très bon. Hein. Et bah ben là ils se sont dit, on va faire que du solo et c'est tant mieux. Alors attention, je vous préviens tout de suite d'entrée de jeu, ça va quand même un petit peu spoiler sur certains éléments. Je vais pas spoiler le scénario, mais il y a des noms que je vais évoquer qui vont forcément vous faire penser peut-être à des choses qui peuvent vous spoiler un petit peu l'aventure. Mais attention, on n'est pas sur du gros spoil de malade, je vous rassure, c'est vraiment relativement minime. Ensuite, c'est un test en différé que je vous fais. Pour moi, ça me paraissait clair et net de toute façon, parce que si vraiment j'ai envie de vous donner mon avis en détail, je devais passer par là, et surtout pour essayer de vous montrer un maximum de choses dans la vidéo. Des captures donc qui sont faites sur la version PC en l'occurrence, sans mode, sans filtre, sans rien du tout. C'est-à-dire que là, je n'ai absolument rien mis de plus que ce qu'a le jeu de base en fait. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est le jeu de base sans rien. Avec les patchs, bien sûr, les derniers patchs en l'occurrence, mais il n'y a pas de filtre, rien du tout. Au moins, comme ça, vous allez voir dans la vidéo ce que donne le jeu réellement, sans ajout particulier. Alors j'espère que le rendu sera bon dans la vidéo, parce que malheureusement j'ai quelques soucis souvent avec le rendu final des vidéos sur PC, avec des petits artefacts, etc. Alors s'il y en a, j'en suis désolé, malheureusement j'ai pas eu le choix. Mais de toute façon, dites-vous que quoi qu'il arrive, le jeu sera vraiment comme ça, sans les artefacts, hein, bien sûr, dans le jeu lorsque vous allez le faire. Voilà. Alors The Witcher 3. Comme je vous l'ai dit, mon top 3, il faisait partie de mon top 3 de cette année. Il était en 3ème position, et en 2ème, il y avait Batman, Arkham Knight, et en premier, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Et très loin devant d'ailleurs, c'est les deux autres. Mais The Witcher 3, je l'ai eu en 3ème parce que j'avais quand même apprécié le 2, sans pour autant trouver le jeu complètement fabuleux et fou. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, j'en avais fait le test et je vous l'avais déjà dit. J'ai trouvé ça sympa, mais sans être absolument incroyable. Donc forcément, j'avais une petite attente sur The Witcher 3, mais une grosse attente générale de tout, de l'ensemble. Parce que les mecs quand même se sont dit, rappelez-vous à l'époque, ils avaient repoussé quand même le jeu pas mal de temps, et nous avaient dit, ouais mais bon, on a fini le jeu, hein, mais c'est juste vraiment pour l'optimiser à fond la caisse. Alors ça c'est vrai que ça nous fait plaisir quand on voit ça, parce qu'on se dit, enfin des jeux quand même, un minimum fini, hein, pas comme tous ces jeux qui sortent, qui sont pas finis, qui rament comme c'est pas permis, ou qui arrivent en early access, qui sont absolument dégueulasses, hein. Je ne citerai pas nom, mais de toute façon, vous savez très bien quel jeu dans ce panier. Et alors, on va être clair quand même sur ce point, même si l'optimisation est quand même relativement de qualité par rapport à d'autres jeux du même genre, il y a quand même des petits bugs résiduels et des petits problèmes ici et là qui arrivent malgré tout. Ça, je préfère le souligner. Cependant, on va quand même parler tout de suite d'un gros point qui est quand même un petit peu le nerf de la guerre de ce jeu, qui est un petit peu quand même le leitmotiv clair de cette aventure, c'est l'histoire. Est-ce que l'histoire est bonne? Est-ce que elle est réellement intéressante par rapport au 1, par rapport au 2? Est-ce que les choix sont intéressants? On va y venir justement. Et en fait, pour faire simple, clairement dans ce The Witcher 3, vous dirigez le sorceleur Geralt de Rive. Alors le mec est juste hyper classe, hein. Très très classe, avec une voix bien grave, bien rock comme il le faut. On a l'impression que on peut pas vraiment le titiller Geralt, hein, et toute émotion, je dirais, finalement est intérieure, n'est pas extérieure, ça se voit pas vraiment, hein, mais je peux vous dire que il a quand même ce petit ressenti qui est présent. Geralt de Rive est à la recherche de l'enfant de la prophétie. Alors, bon, vous savez, ceux qui ont lu les bouquins et ceux qui ont compris déjà à peu près qui, quoi, quand, comment, savent très bien de qui il s'agit. Et il va devoir notamment essayer de la retrouver, de la sauver de quelque chose. De ce que l'on appelle
la chasse sauvage. Et là, vous devez vous dire, mais quelle est cette chasse sauvage? Eh bien, vous le saurez plus en achetant le jeu. la grosse pub déguisée, tu vois. Non, voilà, je vous raconte la base. Je vais pas plus loin parce que franchement, s'il y a bien un truc que j'ai aimé, c'est le scénario. Il est bon. Il est bon, l'écriture est bonne. Pourtant, Dieu sait que je suis vraiment pas fan de ce côté héroïque fantasy médiéval. Moi, c'est vrai que pourtant, j'ai du mal. Alors que j'ai quand même relativement apprécié Le Seigneur des Anneaux. Mais je n'aime pas du tout Game of Thrones, par exemple. On n'arrête pas de me dire que c'est exceptionnel. Mais je n'aime pas. Je vous le dis, je n'aime pas. Mais pourtant, ça passe un peu mieux en jeu vidéo. Les Dragon Age, je les ai faits, et pourtant, c'est vraiment très, très, très porté sur ce côté un peu médiéval, et pourtant, je suis pas extrêmement fan des médiéval et heroic fantasy. Eh bien, The Witcher 3 est vraiment un petit peu dans cette même veine, et ça passe bien. Le tout est relativement crédible, même en termes d'histoire, en termes de personnages surtout. Je crois que ce qui fait la force vraiment du jeu, c'est la mise en avant de ces personnages, à la fois principaux et secondaires, qui vont être vraiment présents, qui vont vous apporter quelque chose, avec qui vous allez vraiment parler de tout et de rien à la fois, mais aussi et surtout, ces personnages qui vont être présents pour débloquer à la fois le renouveau de la quête principale pour pouvoir avancer quand même un minimum, mais aussi parfois débloquer des quêtes annexes relatives à ces personnages principaux qui vont ainsi développer plus en profondeur le personnage. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que du coup, on va vraiment avoir cette espèce de mise en avant de chaque personnage dans le jeu, et c'est bien. Et c'est vrai que c'est bien. Et puis, vous allez revoir forcément des têtes que vous avez connues à l'époque. Alors, je citerai pêle-mêle. Bien sûr, la fameuse Triss Merigold, Jaskier, Zoltan, et j'en passe. Je vais pas vous dire les autres parce que sinon c'est gros spoil. Là déjà j'en ai dit un petit peu trop, mais vous comprenez que vous allez revoir forcément des têtes que vous avez appréciées à l'époque. Et c'est vrai que de les revoir, de leur reparler, et de voir qu'il y a aussi justement des éléments qui font référence aux deux, puisque de toute manière dans le jeu, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas fait le 1 ou le 2, vous allez avoir quand même des éléments qu'on va vous demander dans le 3 et qui vont en fait servir comme si vous aviez importé votre sauvegarde en fait tout simplement. Donc la question que vous allez me poser c'est est-ce qu'on doit faire le 1 et le 2 avant de faire le 3? Dans la mesure du possible, oui ce serait bien. Maintenant si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, on va vous raconter plus ou moins directement ce qui s'est passé auparavant. Mais c'est sûr que vous allez voir certains personnages, certaines phrases qui vont être prononcées, certains liens qui vont être faits par rapport aux anciens opus de la série. Vous allez vous dire, j'ai pas tout compris. Donc ça va arriver si vous n'avez pas fait les deux premiers. Est-ce que ça tue un peu l'intérêt du jeu? Non, pas vraiment. Mais vous n'allez pas non plus tout piger à certains moments sur certains éléments qui vont être mis en avant dans le jeu. Je préfère le dire quand même, quoi qu'il arrive. Donc, l'autre question qu'à mon avis, qui doit vous brûler les lèvres, c'est de vous dire, mais est-ce qu'on a réellement des choix à faire? Parce que c'est ce qui faisait aussi la force du 2, notamment, c'est les choix à faire. Est-ce qu'on part plus avec le Scoia'tael, avec l'autre, tout ça quoi, tu vois? Donc on se dit, bon, est-ce que véritablement on a encore ça dans le jeu? Bah je peux vous l'assurer, oui. À la fois des choix dans la quête principale, mais qui vont influer que sur le moment de la quête, ou bien carrément des choix que vous allez faire qui vont influer carrément sur la fin du jeu. Alors vous avez plusieurs fins disponibles entre guillemets, mais en fait ces fins entre guillemets vont s'ajouter au fur et à mesure de votre accomplissement de la quête principale. Si vous avez sauvé un tel, si lui il est mort, si lui il est vivant, si vous avez pu référer sauver tel groupe ou pas tel groupe, voilà ce genre de choses. Ce qui est énorme aussi, c'est que vous avez des choix à faire dans les quêtes annexes. Et ça, c'est énorme, parce que même dans les quêtes annexes de certains personnages, il y aura des choix à faire. Même les plus insignifiants personnages du jeu, pour une quête annexe basique, eh bien, vous allez parfois même avoir des choix. Moi, j'ai halluciné, par exemple, une quête avec un espèce de loup-garou où tu dois dire, bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je le tue? Je le tue pas? Ou je tue plutôt la fille qui était peut-être, entre guillemets, à l'origine de sa transformation. Et tu fais, oh non, c'est énorme. Parce que ça, honnêtement, c'est quand même assez rare, ce genre de choix quand même. Et ça va influer sur l'instant, sur le moment. Et ben ça, c'est cool. C'est vraiment très bien. On y reviendra de toute façon sur les quêtes annexes, parce que là, clairement, il y a un gros palier de franchi sur ce point. Donc, clairement, oui, des choix, il y en aura à faire. Et attention, à un moment donné dans le jeu, vous aurez à peu près 5 choix à faire qui vont être très importants, des choix, mais alors hallucinants, qui vont conditionner la fin du jeu. Faites très attention à cela. Je peux simplement vous dire que cela.
Évidemment aussi, ce sont les romances que l'on a dans le jeu. Les romances que l'on va avoir avec différents personnages. Bon, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, mais attention, soyez pas trop gourmand. Hein, ça conditionne aussi ce qui va se passer à la fin du jeu. Là aussi, c'est génial parce que c'est vrai que du coup, on voit vraiment le développement de la romance de tel ou tel personnage. Et c'est ça qui est classe également. D'ailleurs, de toute façon, faut le dire, les personnages féminins dans ce jeu, ils ont une classe. Mais incroyable, ces personnages sont incroyables. Alors évidemment, bien sûr, je citerai Triss Merigold, Yennefer de Vengerberg, Kiramès. Alors Kiramès, putain, faites sa quête annexe, faites-la absolument. Kiramès est incroyable et une autre entre autres notamment. Alors là, je ne dirai rien parce que là, c'est juste du gros spoil. Donc non, voilà, franchement, c'est vrai que c'est quand même super classe. Les personnages féminins dans le jeu sont vraiment réussis. Elles ont la classe, elles sont séduisantes, elles sont hallucinantes, enfin, vraiment, vraiment super classe. Vraiment, là-dessus, ils ont fait un excellent boulot là-dessus, que ce soit bien sûr pour les personnages féminins et pour les personnages en règle générale de toute façon. Donc clairement, oui, l'histoire est intéressante. Attention, attention, petit bémol malgré tout, il va y avoir quand même un espèce de creux de vague à un moment donné, lorsque vous arrivez dans Velen et à Novigrad, où là, vous allez débloquer pas mal de choses sur la quête principale et pas mal de trucs notamment sur les quêtes annexes, où là ça va commencer à être un petit peu le creux de la vague. Voilà, c'est le moment où un petit peu de lourdeur, un petit peu de moment où tu es un peu lâché par le scénario et qui n'est pas forcément très intéressant à ce niveau là donc attention, c'est un point à prendre en compte. Il faut passer le creux de la vague, ensuite ça va redémarrer tranquillement mais aisément et efficacement, mais ce petit creux vous l'avez quand même à peu près au milieu du jeu. Je préfère vous prévenir, ça peut arriver et ça risque d'arriver même de toute façon. Donc ça, c'est déjà le premier point à savoir. Vous avez vu, c'est quand même déjà un gros morceau clair de l'histoire du jeu, en l'occurrence, et qui peut vous donner envie, de toute façon, de faire le titre, quoi qu'il arrive. Alors, autre point, évidemment, on va dire, a été vraiment mis en avant dans le jeu, ça a été, bien sûr, cette espèce de conception, reconception, finalement, de l'univers de The Witcher, de cette open world. Et bah oui, parce que là, cette fois-ci, un véritable open world. C'était pas comme les anciens titres, en l'occurrence, et notamment le 2, où vous aviez des environnements qui étaient assez grands, mais c'était quand même un peu couloir, tu vois. T'avais un petit peu de couloir ou quoi que ce soit, mais ça restait assez grand, mais pas trop, avec des temps de chargement entre les zones ou quoi que ce soit. Bon, c'était un petit peu le petit, c'était pas un souci, mais voilà, ça restait relativement basique. Là, les mecs se sont dit, écoutez les gars, c'est simple, on fait un open world. Alors là, je me suis dit, bon, attention, c'est bien l'open world, mais faut pas non plus tomber, malheureusement, dans la facilité, et c'est ce qui pouvait arriver. Là, en l'occurrence, ce qui est bien, c'est que lorsque vous arrivez, par exemple, dans le premier réel environnement, c'est l'environnement de Blanchefleur, entre autres, hein, aux alentours de Blanchefleur, qui est pas mal, quand vous le découvrez, vous dites, oh, c'est pas mal. Et là, quand vous arrivez à Velen, vous faites, oh putain de bordel, oh mon dieu. Alors là, quand vous arrivez à Velen, c'est magnifique. C'est magnifique parce que là, vous avez véritablement l'environnement qui vous pète à la gueule, qui vous saute complètement à la gorge, avec des forêts, des marécages, des montagnes, avec... Enfin, les montagnes, c'est plus dans Skellige, à la limite. Mais voilà, vous avez vraiment de très jolis environnements, avec... C'est blindé de détails. Et les arbres qui vont bouger au gré du vent, tu vas entendre l'écorce, justement, qui va craquer parce qu'il y a du vent... tu vas entendre les corbeaux, par exemple, en pleine nuit, les corbeaux qui passent juste au-dessus de toi. C'est absolument génial. Mention spéciale, de toute façon, à l'environnement, encore une fois, réellement crédible. Le crépuscule, l'aube, quand tu vas voir justement les effets de lumière à travers les sapins, c'est vraiment magique et c'est magnifique. Les effets météo sont plutôt bien réussis, sauf les éclairs. Alors, le bruit en lui-même est bien, mais l'éclair en lui-même est un peu dégueulasse quand même. Hein. On a l'impression que c'est un espèce de JPEG qui a été ajouté comme ça à la dernière minute. C'est pas le plus réaliste des éclairs qu'on ait vu dans un jeu. Malgré tout, ça fonctionne quand même, il faut le dire, relativement bien. Mais, encore une fois, c'est le souci du détail, quoi. Le souci du détail, et c'est ce qui fait aussi sa force à ce jeu. Et quand vous arrivez à Skellige, alors là, les montagnes enneigées, c'est super grand, il y a plein de trucs, oh mon dieu. C'est magistral, c'est magnifique. C'est clairement magnifique de ce point de vue-là, ils ont fait un travail de titan. Parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, tout est crédible. On a vraiment l'impression d'y être. Et puis voilà, il y a quand même plein de détails un petit peu à droite à gauche. Les villes sont quand même relativement
grande, bien foutue. Vous avez aussi des petits villages à droite à gauche. Novigrad, c'est vraiment ce qui représente, entre guillemets, la ville absolue, hein, vraiment la grandeur de la ville ou quoi que ce soit. Et évidemment, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas la même chose que ce qu'on nous avait montré en 2013. Ah ! Eh ben voilà, on va y venir sur cette polémique. Voilà, venons-en au fait sur cette polémique qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être sur le fameux downgrade du jeu par rapport au trailer de 2013. Alors oui, est-ce qu'il y a eu un downgrade par rapport à 2013? La réponse est claire, oui, il y a eu un downgrade. Bien sûr qu'il y en a eu un. Alors, les développeurs l'expliquent en disant que voilà, c'était tout simplement un espèce de target render et que voilà, ils se sont dit, bon bah finalement, quand on transpose ce qu'on voulait faire en open world, ils ont vu que ça ne fonctionnerait pas et que ça ne passerait pas bien de toute façon. Donc il fallait de toute manière revoir un petit peu les choses à la baisse pour que ça arrive. On a dit aussi que c'était la faute des consoles qui tiraient un petit peu et qui nivelaient un petit peu la qualité globale vers le bas. On n'en sait rien véritablement, on ne saura vraiment jamais le fin mot de l'histoire, entre guillemets, en réalité. Mais oui, downgrade, clairement. Maintenant, la grande question à se poser, c'est de se dire, mais est-ce que le downgrade est aussi violent qu'un Watch Dogs, par exemple, ou qu'un autre jeu du même style? Mais moi, je vais vous dire, c'est pas extrêmement violent non plus. Honnêtement, putain, des downgrades comme ça, sur des jeux comme ça, moi j'en veux tous les jours, hein, parce que putain, le jeu est beau quand même. Ouvrez les yeux à un moment donné, le jeu reste joli, bien sûr qu'il y a eu un downgrade, bien sûr que c'est moins grand, moins beau, c'est un peu plus coloré notamment au niveau du jeu de couleurs utilisé, il y a un petit peu de bugs résiduels, hein, des bugs de collision, des bugs de son, un petit peu d'aliasing and clipping. Alors sur la version PC c'est quand même amoindri par rapport à la version console, mais la version console s'en sort quand même bien, hein, surtout la version PS4, donc non, là-dessus ça va encore, mais je veux dire, voilà, ça va pas vous empêcher de profiter de la qualité technique du jeu, mais aussi et surtout esthétique, artistique. C'est ça aussi qui fait toute la différence dans le jeu. Comme je vous l'ai dit, quand vous allez voir vraiment les effets de lumière, le soleil qui va se coucher ou qui va se lever, c'est magnifique, magnifique. Vous avez des environnements hallucinants à ce niveau-là. Et encore une fois, très belle distance d'affichage, avec encore une fois finalement très peu d'artefacts divers ou quoi que ce soit. Oui, des bugs, il y en a, mais on est dans un open world, les mecs. On est dans un open world, mais bien sûr que vous avez des problèmes. Même GTA a des problèmes sur ce point-là. Donc, faut arrêter un petit peu de dire « Oh, c'est nul, c'est moche, c'est horrible !» Non, c'est pas que c'est nul, c'est moche, c'est horrible. C'est moins beau que ce qui a été montré en 2013. Oui, c'est un fait, mais ça ne va pas vous empêcher de kiffer le jeu. Hein. C'est pas comme Watch Dogs, où honnêtement, Watch Dogs, certes, il restait joli et agréable, mais enfin bon, le downgrade était quand même, à mon sens, bien plus violent. Surtout sur PC. Surtout sur PC, il était quand même bien plus violent que The Witcher. Hein. Faut quand même dire les choses très clairement là-dessus. Bon, à côté de ça, honnêtement, moi je l'ai trouvé quand même relativement stable, relativement fluide aussi. Pas de problème particulier. Alors moi, j'ai pas eu de problème. Bizarrement, c'est vrai qu'il y a plein de gens que j'ai vu à côté qui avaient des problèmes de freeze, de redémarrage, etc. Ça va, j'ai été épargné. Hein, les bugs aussi de visage ou quoi que ce soit, j'ai été épargné, donc ça va encore, moi, me concernant. Ce sont des bugs qui existent, que vous n'aurez peut-être pas forcément, mais qui peuvent se mettre en avant, justement, dans le jeu. Donc, je vous en parle malgré tout. Mais, qu'on se le dise, putain, c'est quand même joli. C'est quand même vraiment, vraiment joli et agréable à l'œil. Il y a plus d'un moment donné, vous allez avoir ce côté « waouh ». Vous allez vous arrêter, faire une capture d'écran et vous dire « putain, c'est beau quand même ». Eh bah ouais, bah c'est le principal. Alors, mention spéciale, bien sûr, au visage, à la tenue, à la modélisation générale, notamment des visages des personnages qui sont vraiment, vraiment de très haute qualité. Et ça, je tenais à le préciser. Les animations sont un poil saccadées, c'est vrai, toujours un petit peu pour Geralt. Ça arrive encore un petit peu, ou même pour les PNJ qui peuvent être sur le côté ou autour justement de Geralt. Avec aussi du pop-up, hein, ça arrive, hein, du pop-up de personnages qui arrivent à la dernière minute. Ça arrive également. Comme quoi, il y a toujours des efforts à faire, mais on est quand même sur un titre de haute volée de toute façon sur ce point. Alors, c'est un action RPG, et comme tout bon action RPG qui se respecte,
On a évidemment les qualités et les défauts de l'action RPG. Alors, vous avez votre personnage, Geralt de Rive, que vous allez pouvoir faire évoluer au fur et à mesure donc de ses quêtes principales et annexes, j'entends bien, avec la possibilité de récupérer donc plein de choses pour pouvoir donc notamment faire évoluer les armes, les armures, récupérer des schémas pour pouvoir donc après crafter donc des nouvelles armes, des nouvelles armures pour les différents forgerons qui pourront le faire. Parce qu'attention, tous les forgerons ne pourront pas, par exemple, Dommage, faire des on t'a armes de piqué niveau ça. maître ou grand maître ou de niveau, on va dire, un peu plus important parce qu'ils n'auront pas le niveau pour le faire. Donc il faudra trouver le bon à ce moment-là. Récupérer notamment des glyphes pour pouvoir les ajouter sur vos épées ou vos armures. Des ingrédients pour pouvoir forger notamment, forger, pour pouvoir concocter des potions, des huiles qui vont vous permettre donc de tuer plus facilement les ennemis. D'ailleurs, le bestiaire est vraiment super intéressant dans le jeu. Le bestiaire, j'ai trouvé vraiment bon. Encore un peu plus développé d'ailleurs que dans le The Witcher 2, je trouve. Parce que The Witcher 2, ça tournait toujours un petit peu sur les mêmes trucs, hein, les Necker, les machins, les bidules, les Andriags et tout ça. Là, on a quand même un peu plus de choix. Hein. Et même carrément, je trouve un bestiaire qui a tendance à parfois un petit peu à vraiment partir dans ce côté heroic fantasy, type labyrinthe de Pan ou quoi que ce soit, avec des arbres et tout qui prennent vie, entre guillemets, et ce genre de choses, des golems et tout. C'est bien, c'est bien. Moi, ça m'a pas dérangé, je trouve ça vraiment bien. D'ailleurs, autre point à savoir, c'est qu'on a quand même beaucoup plus d'armes et d'armures à récupérer dans le jeu que dans le 2. Dans le 2, quand même, le jeu, il faut le dire, était assez avare sur ce côté-là pour pouvoir récupérer tout ce qu'il fallait. Franchement, on passait plus de temps à récupérer des ingrédients pour crafter vraiment de très bonnes armes et armures que là, honnêtement, quand tu vas sur la carte et que tu as des points d'interrogation, donc avec des caches de contrebandiers, des repères de bandits, des grottes, etc. Là, vous pouvez carrément récupérer des putains de bonnes épées, des putains de bonnes armures, justement, rien qu'en allant farfouiller et en allant regarder à droite à gauche. Donc, ce qui est bien, on a un meilleur loot, je trouve, en règle générale, sur le jeu, ce qui est pas plus mal, ce qui est vraiment pas plus mal de ce côté-là. Attention toutefois, au niveau des schémas, alors vous pouvez, comme je dis, crafter des armes et des armures, mais il y en a certaines qui peuvent être améliorées notamment sur plusieurs niveaux, et c'est notamment tout ce qui concerne les armes et armures de l'école du chat, du griffon et de l'ours. Un ours! Un ours! Mais c'est un truc à prendre en compte, parce que les armures évoluent. On le voit évidemment sur Geralt directement, et ça, c'est un coup à prendre évidemment. Et il faut vérifier vraiment par rapport à leurs compétences et à leurs effets bénéfiques ou non, évidemment, bien sûr, directement liés aux armes et armures donc de ces écoles-là en l'occurrence. Alors, autre point aussi à savoir, comme je l'ai dit, évolution du personnage de niveau, donc ça veut dire forcément des compétences. Alors, c'est un peu particulier puisque en fait, cette fois-ci, il est assez différent par rapport aux deux, l'arbre de compétences, puisqu'en fait, vous avez en gros un arbre qui est scindé en quatre. Pour une partie, vous avez en fait trois carrés où vous mettez donc du coup vos compétences, c'est-à-dire donc des compétences liées à la magie, liées à l'utilisation des armes, notamment pour faire plus de coups, plus de dégâts sur les attaques faible ou forte, ou renvoyer les flèches par exemple, ou maintenir le bouton pour faire une attaque tournoyante, ce genre de délire quoi. Donc vous avez trois cases, vous mettez ce que vous voulez, et ensuite vous avez un espèce de petit losange à côté où vous devez mettre un mutagène. Le mutagène vous permettra par exemple, si vous le voulez, donc d'augmenter la puissance des signes, votre vitalité, ou la puissance de la magie, etc., etc. Bref. À savoir que si vous mettez par exemple un mutagène rouge, et qui du coup à côté vous avez mis des carrés rouges en l'occurrence, donc symbolisés par les attaques de base, eh bien vous allez avoir un bonus, parce que le mutagène est rouge. Voilà. Donc en gros vous avez donc 3, 6, 9, 12 carrés à remplir, et donc 4 mutagènes à mettre. Donc vous avez compris que vous ne pouvez pas mettre toutes les compétences, parce qu'il y en a une vingtaine pour chaque catégorie, à peu près. C'est-à-dire que c'est pour les attaques de base, la magie, l'alchimie, et j'en passe et des meilleurs. Donc vous ne pourrez pas tout mettre, choisissez bien. Donc ça c'est bien, ça a changé, parce que du coup on va finalement utiliser que les compétences qu'on a l'habitude d'utiliser, alors qu'il y en a certaines qu'on n'utilisait absolument pas dans le précédent épisode en l'occurrence. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal sur ce point. Alors,
Autre point, et ça je vous en ai parlé, je vais vous en parler même directement maintenant tout de suite, la puissance des quêtes annexes. Parce que pour moi, clairement, il faut le dire, c'est l'un des gros points forts du jeu. Si ce n'est pour moi le point fort du jeu, putain de bordel de merde. Franchement, on va le dire, clairement, mais avec aucun doute possible, les quêtes annexes de The Witcher 3 enterrent tout ce qui s'est vu à ce jour. Tout ce qui s'est vu à ce jour. On est même devant Skyrim, je pense, sur ce point. Pourquoi je dis ça? Parce que les quêtes annexes ont cette force absolue de ne pas être, enfin, mesdames et messieurs, des putains de quêtes FedEx. Parce que les quêtes FedEx, moi je vous le dis, j'en ai ma claque. Moi j'en ai marre de ces genres de quêtes où on va tuer 20 lapins, 50 mammouths, on tue 100 ennemis, on revient. Alors moi ça me gonfle totalement. Pour moi ça c'est de la merde. Au niveau de ces quêtes-là, c'est de la merde. Parce que c'est de la durée de vie artificielle qui est gonflée artificiellement par des quêtes qui ne sont pas intéressantes. Et ce qui me fait peur, c'est qu'apparemment on annonce ce genre de quête pour notamment le Xenoblade Cross sur Wii U. Je peux vous assurer que si c'est le cas, ça va me tuer mon intérêt sur le jeu. Parce que Xenoblade sur Wii, qu'est-ce qui m'a tué mon intérêt sur le jeu? C'est les quêtes annexes. Elles sont dégueulasses dans Xenoblade, les quêtes annexes. Elles sont dégueulasses. Et moi, j'ai plus de temps à dépenser sur des quêtes qui sont dégueulasses à faire. Moi, j'ai plus le temps, je suis désolé. Je me rapproche de la trentaine. J'ai plus 200 heures à dépenser sur des quêtes dégueulasse à faire. Eh ben là, The Witcher 3, putain les quêtes, elles sont hyper intéressantes. En règle générale, elles sont véritablement travaillées dans 90 à 95% des cas. Et en plus, vous avez parfois des choix à faire dans ces mêmes quêtes et il se passe quelque chose et apparaît. Après, il y a même carrément parfois des bouleversements. Vous allez même parfois vous-même vous retrouver en prison pour X raisons. Enfin, c'est génial. C'est génial. Réellement, il y a un vrai boulot de fait, un véritable travail. C'est simple, il y a honnêtement 95% des quêtes qui ne sont pas des quêtes FedEx dans ce jeu, quoi. Ce sont toutes des quêtes scénarisées quasiment dans la plupart des cas. Je vous dis 95% des cas. C'est ouf, quoi. C'est franchement un truc de malade. Vraiment. Mais attention, ne vous attendez pas non plus à ce que ce soit hyper scénarisé. Mais c'est scénarisé un minimum. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool la plupart du temps. Alors, oui, il y a un petit défaut. Oui, mon côté exigeant m'interpelle, me dit « Hé, Bibi, j'ai quelque chose à dire ! Hé, s'il te plaît, laisse-moi parler !» Bah ouais, mon petit côté exigeant fait que je me dirais « Ouais, un petit défaut sur ces quêtes annexes, c'est que en règle générale, on a beaucoup de quêtes où on va devoir utiliser les talents du sorceleur, c'est-à-dire notamment les sens du sorceleur, pour trouver des indices à part, trouver des indices notamment au sol, ah, il y a du sang, machin, ah, tiens, lui, il a laissé tomber ça, bah, je vais suivre la piste, voilà. Ça, on l'a quand même dans beaucoup de quêtes annexes. Ouais, c'est peut-être, pour moi, le seul défaut de ces quêtes annexes, c'est qu'on met énormément en avant, dans ces quêtes, l'essence du sorceleur. Voilà, c'est pour moi vraiment le seul petit... Alors, est-ce qu'on peut parler de bémol? Je ne sais pas. Mais c'est le petit point négatif. Voilà, vraiment. Mais c'est vraiment un petit point négatif. Moi, honnêtement, ça m'a pas saoulé plus que ça. Mais je le dis quand même, ça peut vous gêner, malgré tout, de toujours vous dire « Putain, faut que j'utilise l'essence du sorceleur, chercher, machin, bidule, suivre la trace et tout ça. » Ça peut arriver. Voilà, le petit côté exigeant repart directement, là. Il y a autre chose aussi qui est peut-être un petit peu chiant, c'est l'interface. L'interface, c'est vrai qu'elle est dégueulasse, hein. L'interface du jeu, tu vois que c'est brun, vraiment dans tous les sens du terme. Tout est mélangé, il y a rien qui est rangé par catégorie. Enfin, c'est n'importe quoi. En plus, c'est vrai qu'on est lié au niveau du poids de l'équipement. Donc attention, vous êtes obligé après comme ça de balancer les épées, les armures qui sont un petit peu trop importantes pour vous, parce que sinon vous n'allez plus avoir la place. Donc il va falloir gérer par rapport à ça. Donc c'est vrai que là-dessus, l'interface est vraiment hyper lourde. Parfois, elle a même du mal à se charger parce qu'il y a tellement de trucs que du coup, t'es obligé d'attendre un petit peu, un poil, quelques secondes, hein, mais ça arrive, malheureusement. Entre autres, avec tous, bien sûr, les bugs qu'il peut y avoir à côté. Mais le gameplay, quoi qu'il en soit, reste bon. C'est vrai que le gameplay, on se dit, mais alors, est-ce que le système de combat a changé radicalement? Est-ce qu'il est bon ou pas? Et là, on se dit, mais ouais, putain, il est bon, le gameplay. Il est vraiment bon. Parce que ça a vraiment changé. La prise en main est bonne. Elle est un peu moins lourde, je trouve, la prise en main générale par rapport à The Witcher 2. Et notamment dans les combats, où on a vraiment un système qui a été complètement revu avec un vrai, vrai système de parade et d'esquive. Parce que dans le 2, tu avais à peu près ça, mais c'était pas non plus exceptionnel. Hein, le système de combat était un peu pâteau et lourdeau quand même dans le 2. Dans le 1, j'en parle même pas, c'était complètement différent. Mais là, dans le 3, bah, on est vraiment sur un système qui a,
qui est certes répétitif dans le principe. Bah ouais, mais enfin bon, les gars, un système de combat, ça a toujours été comme ça. C'est répétitif, tu fais toujours la même chose. Mais dans les autres jeux, vous faites comment? Toujours la même chose, quoi. Logique. Et donc là, ouais, moi, ce qui est bien en plus dans ce système de combat, c'est qu'alors que dans le 2, moi, je n'utilisais pour ainsi dire quasiment pas les pouvoirs, bah alors là, dans celui-là, je les utilise tout le temps. Voilà. Le pouvoir de Quen, notamment, qui me permet de me mettre un bouclier. Le pouvoir d'Ini, qui me permet notamment de balancer le feu. Enfin, j'utilise énormément les pouvoirs dans cet épisode. Alors que, pourtant, en règle générale, dans l'ancien, je les utilisais presque, pour ainsi dire, quasiment jamais. C'est ce qui fait aussi que le fait que on a vraiment cette dynamique action dans les combats avec cette parade, ce petit coup que t'appuies sur le bouton B, hop, tu fais un petit pas de côté, t'appuies sur le bouton A, tu fais une espèce de roulade, mais ça utilise une jauge qui est sur le côté à gauche et qui se recharge un petit peu au fur et à mesure. T'as tes montées d'adrénaline qui vont te permettre d'être aussi un petit peu plus puissant sur le moment, sur l'instant, ou d'esquiver un peu plus facilement, ou même carrément de parer avec ton épée. Et si t'appuies au bon moment, tu pars, boum, tu vas désorienter le mec, tu vas pouvoir lui faire des dégâts critiques un peu plus facilement. Les démembrements sont géniaux dans le jeu, ça aussi c'est vraiment classe. Non, franchement, ils ont bien remis en place vraiment ce côté-là du combat avec vraiment un vrai dynamisme. Un vrai dynamisme et surtout une vraie prise en main bonne sans ce côté lourdingue que l'on avait finalement dans les anciens épisodes. Et ça, c'est bien parce que revoir tout un système de combat, c'est quand même une prise de risque, surtout pour un jeu comme ça. Et ben là, les mecs l'ont fait. Bravo à eux, bravo, c'est bien géré, c'est en règle générale, ça fonctionne bien. Alors, quelques petits bugs de collision résiduels, comme je vous l'ai dit, ça arrive encore. Ça va pas vous gâcher le plaisir de jeu, mais ça peut arriver. Ça peut arriver avec, par exemple, même carrément, moi je me suis battu à un moment donné contre un griffon sur une montagne. Bon, bah le griffon, après, il marchait, mais dans le vide. Parce qu'il avait l'impression qu'il y avait un sol, mais non, il n'y avait pas de sol. Bon, ça arrive. Mais je le dis quand même. Je préfère le dire quand même, malgré tout. Autre point. Alors là, je vais y venir, mais alors très rapidement. Parce que c'est pas que j'ai rien compris, mais je suis très nul. Le Gwent. Alors le Gwent, c'est le jeu de cartes qui est présent dans le jeu. Qui est un espèce de jeu dans le jeu, de toute façon, parce qu'il y a tellement de trucs à faire dans le Gwent, c'est impressionnant. Des cartes à récupérer au travers de, notamment des aubergistes, de certains personnages principaux et secondaires, où il va falloir jouer contre eux pour récupérer leurs cartes spéciales. Alors, le système est pas mal, dans le sens où, en fait, vous avez différentes lois qui vont, entre guillemets, déjà faire en sorte de bien commencer la partie ou pas, si vous voulez avoir l'ascendant ou pas sur une partie, par exemple. Si vous êtes plus Royaume du Nord ou pas, ce genre de choses. Et ensuite, il faut construire votre deck. Et c'est le même principe à peu près qu'un jeu comme le triple triade de FF8. Vous avez en fait un espèce de petit truc sur la gauche qui symbolise un numéro de 1 à 10, il me semble. Et en fait, plus le numéro est puissant, plus vous allez avoir donc un stock de chiffres. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, vous mettez deux cartes de niveau 5 sur le champ de bataille, donc sur le truc, sur le champ de bataille, ça va vous faire 10 points, 5 plus 5 égale 10 sur votre total. Le but, c'est d'avoir votre total supérieur au total de votre adversaire. Attention, vous pouvez passer le tour, mais si vous passez le tour, vous passez entre guillemets le tour intégral, c'est-à-dire vous passez pas juste un truc, genre par exemple, vous passez votre tour. Votre adversaire va mettre une carte, c'est à vous. Non, c'est pas à vous. Là, vous passez complètement. Vous passez vraiment le tour complet. Donc attention, c'est une tactique à mettre en place. Donc il y a plein de cartes comme ça, avec notamment symboliser des cartes corps à corps, à distance et les armes de siège. Avec des cartes qui vont parfois même arriver et qui vont détruire tes armes de siège, des cartes notamment de conditions météo qui vont réduire à impuissance vos cartes de combat à distance et ce genre de choses en l'occurrence, etc., etc. Bref, je rentre pas trop dans le détail du Gwent. Je vous incite vivement à aller voir notamment la vidéo des vidéos sur internet et celle de Stuff 76 qui a fait notamment les bases du Gwent et qui vous explique un petit peu mieux que moi en l'occurrence. C'est pas que je le trouve mauvais, le jeu de Gwent, mais je suis complètement nul à chier à ce jeu. Je suis nul de chez nul. J'arrive même pas à battre un putain d'aubergiste. Putain, j'arrive même pas à le battre, quoi. À chaque fois, il arrive à me balancer une carte de niveau 9 et de niveau 10, et je fais, allez, c'est bon, c'est génial. Et il te balance une carte qui fait revivre une carte du paquet, qui revient, et bim, deux fois plus de points de vie. Je suis, oh putain, allez, c'est bon. Et ça m'a gonflé. Mais là, vous allez passer un temps mémorable hein, sur ça, hein, parce que là, il y a vraiment, vraiment des choses à faire.
Mais c'est clair, clairement, je le dis, je suis nul. Je suis complètement nul à chier à ce jeu. Même un putain d'aubergiste, j'arrive même pas à le battre. Donc j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que bah, ça me gonflait. J'arrête pas de perdre. Je perds tout le temps. Donc ça m'a gonflé, j'ai laissé tomber ça. C'est dommage parce que il est intéressant le jeu. Mais ça m'a pas donné envie d'y revenir. Vraiment, ça m'a pas donné envie d'y revenir parce que je suis tellement nul à chier que j'ai pas envie d'y revenir. Voilà. Mais du coup, ouais, ça accentue la durée de vie du jeu. Et là, concrètement, attention, hein, n'espérez pas terminer le jeu en 20 heures. C'est impossible. Alors certes, si vous voulez faire que la quête principale, oui, ça va se terminer rapidement. Mais ce serait évidemment très con de votre part de ne faire que la quête principale. Ce serait, entre guillemets, niquer, on va dire, 80% de l'intérêt du jeu. Oui, 80%, il faut le dire clairement. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, et les points d'interrogation, les quêtes annexes à réaliser, les schémas à récupérer, etc., etc. Et là, vous en avez pour au moins, mais au moins 100 heures de jeu, putain, au moins! Dites-vous que, honnêtement, j'avais regardé un petit peu, quand je suis arrivé, par exemple, pour vous donner un état d'esprit, je suis arrivé à Skellige, j'étais à 50 heures de jeu. Et vous arrivez à Skellige, en gros, vous avez fait que quoi? Allez, une petite moitié du jeu. Ouais, un peu, ouais. Allez, une grosse moitié du jeu. On va dire ça comme ça. Vous imaginez, 50 heures pour arriver à Skellige, alors que t'as fait que la moitié du jeu. Et ben après, tu comptes le double pour tout terminer. Et ben voilà, enfin pour tout terminer. Quête principale et quelques quêtes annexes. Hein. Mais après, enfin franchement, vous en avez pour des centaines d'heures de jeu, ça c'est clair et net, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Alors faut pas être lassé. Moi, ça ne m'est pas arrivé, ça va encore, j'ai su tenir le coup, parce que, justement, à chaque fois, j'avais envie d'y revenir, en fait, à chaque fois, je me disais, allez, je vais aller là, je vais voir ce qu'il y a, campement de bandits, bam, je les tue, je récupère des épées, allez, je vais aller là maintenant, je vais faire une petite quête annexe, hop, un petit contrat pour tuer un démon de midi, un démon de minuit, un truc comme ça, machin, etc. Et j'y revenais toujours vraiment avec envie, avec plaisir, comme si le jeu m'appelait, une sirène m'appelait, me disait, viens jouer au jeu, vas-y, reviens, s'il te plaît, et ben voilà. Puis à chaque fois que tu te dis, bon allez, je vais y jouer un petit quart d'heure, 20 minutes, maintenant tu y joues 1h30, 2h, quoi. Tellement le jeu est prenant sur ce point. Clairement, le jeu est prenant sur ce point. Et que dire évidemment de la bande-son? Bande-son phénoménale! Phénoménale, parce qu'elle reprend vraiment les sonorités de l'époque. C'est-à-dire vraiment des sonorités à la fois basées sur l'orchestration, sur de l'orchestral en règle générale, mais avec notamment les cris des femmes que l'on entend. On l'entend notamment, vous l'avez entendu dans l'espèce de petite intro que j'ai faite au début, où on entend que ça fait bon, je le fais très mal, hein, j'ai une voix de merde, mais voilà, ça réussit très bien parce qu'il y a beaucoup de sonorités qui sont faites comme ça, avec notamment des instruments qui sont utilisés de l'époque, qui vraiment enrichissent ce côté un petit peu médiéval du son en règle générale, et ça c'est bien. Les doublages sont bons, la VF j'ai trouvé relativement bonne en règle générale. Moi je trouve que la voix de Geralt elle passe bien. Et d'ailleurs la voix de Geralt elle est, je trouve, un peu plus prononcée, mais surtout moins robotique et moins lourde que celle du 2. Celle du 2, t'as l'impression qu'elle n'avait pas d'émotion particulière. Là dans ce The Witcher 3, elle a plus d'émotion sa voix en règle générale de Geralt. Et d'ailleurs un point à signaler, il y a une des voix notamment de Emrys. Alors vous ne savez pas qui c'est, mais c'est très bien, au moins vous le saurez après. Je crois que c'est lui. Lui, il a la voix de la VF de Mike dans Breaking Bad. Super génial. Génialissime, j'ai trouvé ça génial. Mais il y a plein d'acteurs de toute façon qui sont là, qui sont connus et qui prêtent leur voix justement, à la fois pour Triss, Yennefer, Kera, Geralt, Zoltan, Jaskier et j'en passe, et qui sont vraiment de bonne qualité. Ils sont vraiment... Le tout est de bonne qualité, clairement. Et puis... Bon, les effets sonores, ça va, ça réussit bien. Même si je vous dis, il y a quelques bugs résiduels justement sur ça, en l'occurrence, sur du son. Parfois, tu vas taper avec ton épée, il n'y a pas de bruit qui va se passer. Bon, ça arrive encore. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, je pense que je vais boire un petit coup. Je vais boire parce que j'ai soif. Parce que là, je pense que je vous ai vraiment expliqué ce que j'ai ressenti dans le jeu. Je pense que je vous ai vraiment dit ce que j'ai ressenti à fond la caisse. Et forcément, il y a un moment donné, vous allez certainement vous dire, mais alors mec, dis-nous tout. Dis-nous si véritablement ça va être un jeu qui t'a plu, qui t'a déplu.
Est-ce que ça va être du Bloodborne bis? Parce que je me suis fait allumer la gueule sur les internets parce que justement j'avais dit que Bloodborne était bien, mais c'était pas excellent, voilà. Putain, je me suis fait allumer la gueule. Comme quoi, quand on n'a pas un avis comme les autres, on se fait un petit peu charcuter dans tous les sens. Bienvenue en Chine et la dictature. Mais je m'en branle, moi je m'en fous. Moi, quand j'ai un truc à dire, je le dis. Voilà, de toute façon, les avis sont différents et c'est bien. Et je sais que vous aurez certainement un avis différent du mien sur The Witcher 3. Et moi, je le respecte entièrement. Respectons-nous, les mecs. Respectons-nous à un moment donné, un minimum. Si c'est fait, dans les règles de l'art, construit, eh ben, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Par contre, les insultes, etc., hein, moi, je mets ça de côté. J'en ai plus rien à foutre. Mais évidemment, vous allez vous dire, alors, t'en penses quoi? Ton verdict? Bon, je vais être franc, voilà. Je sais que ça va choquer des gens, mais... Bah, ce jeu n'est pas bon. Ce jeu n'est pas bon. Il n'est même pas très bon. Il est juste admirablement exceptionnel. Admirablement exceptionnel. On touche et on tutoie la quasi-perfection dans ce que j'attendais de mieux d'un jeu vidéo. C'est-à-dire, évidemment, attention, quand je dis quasi-perfection, il faut le voir au sens général. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui est devant nous, qui est réellement, et j'ose le dire, une leçon de jeu vidéo. C'est une leçon pour énormément d'éditeurs et de développeurs, en l'occurrence, surtout les développeurs. Putain, les mecs, prenez-en de la graine. CD Projekt Red viennent de nous livrer ici un épisode exceptionnel, incroyable, à plus d'un titre, avec une qualité, mais alors hallucinante. Vraiment, de bout en bout, de part en part, parce que il y a de l'émotion, parce qu'il y a un scénario, il y a une histoire, il y a des choix, c'est grand, c'est crédible, c'est beau, c'est intéressant, c'est enivrant, c'est magnifique, mais il y a plein de choses qu'on pourrait utiliser, plein de superlatifs qui pourraient justement mettre en avant ce jeu de manière admirable, mais qu'on se le dise. Putain, passer à côté de ce jeu serait pure hérésie. Je peux comprendre que vous n'aimiez pas le genre de jeu. Je peux comprendre que vous n'accrochiez pas au jeu. Ça peut arriver, et je le respecte entièrement. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, pour ma part, j'attendais vraiment ce jeu. Et je me suis dit, putain, je risque d'être déçu, parce que mon exigence va faire que je vais peut-être le démolir ou quoi que ce soit. Et vous l'avez vu, de toute façon, je pense que j'ai été assez neutre dans ma manière de voir les choses. Parce que je vous ai dit qu'il y avait des défauts dans le jeu. Hein, les quêtes qui utilisent énormément l'essence du sorceleur qui peuvent justement un petit peu nuire au jeu. Le petit creux de vague qu'il y a dans le jeu, notamment au milieu de l'histoire. Les bugs, l'interface, en l'occurrence, voilà, ce genre de jeu. Je l'ai dit, ça. Mais putain, mais toutes ces choses sont balayées par tout le reste du jeu. Honnêtement, le jeu vient de m'adresser une baffe monumentale, une gifle comme jamais j'en ai eu. Enfin, ça fait longtemps que j'en ai pas eu de gifle. On va le dire comme ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu une baffe de cette violence. Mais là, c'est même pas une baffe. Là, c'est pas une baffe, à ce niveau-là. Non, mais c'est carrément un coup de poing dans la gueule. C'est un coup de poing, c'est un coup de pied. On m'a littéralement démoli le cerveau, quoi. Ce jeu est monumental. Ce jeu est hallucinant. Parce qu'il y a vraiment la maîtrise de tout. C'est un vraiment... Et c'est pour ça que je dis que c'est une leçon de jeu vidéo. Parce qu'honnêtement, putain, les jeux qui sont passés avant The Witcher 3, aujourd'hui viennent de prendre un coup de vieux monumental. Dragon Age Inquisition arrive encore une fois à être quand même, entre guillemets, sur cette alternative. Parce que tu vois que Dragon Age Inquisition, j'en avais pas fait le test, mais il était bon. Il était vraiment bon. Et heureusement qu'il est sorti finalement à très peu de temps d'intervalle, puisque il reste quand même une alternative, entre guillemets, sur ce plan-là en particulier. Mais tous les autres jeux, putain, ils ont pris un coup de vieux, mais monumental, phénoménal, ne serait-ce que pour les quêtes annexes. Comme je vous l'ai dit, les quêtes annexes, elles sont admirables. Admirables, elles emmerdent le monde, voilà, c'est clair. Et elles sont en train de mettre une gifle monumentale à tous ces jeux, avec des quêtes annexes tout simplement honteuses et dégueulasses, que sont les Xenoblade, que sont les GTA, que sont les Skyrim. Même si Skyrim a encore des quêtes qui peuvent être intéressantes, mais, et il a pris un coup de vieux, Skyrim. Mais difficile de le comparer, sachant qu'il a quand même plusieurs années dans le bide. Je le reconnais,
je le reconnais ouvertement. Mais les Assassin's Creed, putain, ça prend un coup de vieux, là. Alors là, les assassins, à côté de à côté, je sais que c'est pas le même genre de jeu en particulier, mais putain, à côté de The Witcher 3, Assassin, c'est vraiment un jeu de merde, hein, putain, avec des personnages creux comme c'est pas permis, et des quêtes toutes plus dégueulasses les unes que les autres. Eh, les mecs, accrochez-vous, hein, parce que franchement, le prochain assassin, il a intérêt à être à la hauteur, hein. Sinon, je lui démolis sa gueule, hein, parce que il a intérêt à être au moins à la hauteur de The Witcher 3, en termes de quêtes, de scénario, d'histoire et de choix. Moi j'attends ça. Bam! Si c'est pas le cas, je le démolis ce putain de jeu. Bon allez, je me calme, je me calme. Redescendons sur Terre. Soyons clairs, soyons francs. Ce jeu est une putain de pépite. C'est du platine pur. C'est du platine pur. Des jeux comme ça, vous en voyez une fois tous les 10 ans. Ce moment est arrivé. C'est ce jeu. Ce jeu est là devant vous, devant vos yeux. The Witcher 3 Wild Hunt est à mon sens le meilleur jeu de cette année pour l'instant. Pour l'instant, évidemment. Attendons Batman et surtout Metal Gear Solid 5. C'est lui qui peut encore peut-être le détrôner. Mais je vous le dis, mais avec toute la sincérité possible, malgré ses défauts, malgré ses détails, j'ai passé un moment, mais hallucinant sur ce jeu. Un putain de bon moment, avec vraiment tout ce que j'attendais d'un jeu, qu'il m'emporte, qu'il arrive à me transporter, à m'émouvoir, qu'il arrive justement à rendre le tout crédible et à me faire dire « Regarde, on t'emporte avec nous dans cette aventure. » Eh ben, c'est réussi, les mecs. Là, vous le voyez pas, mais je suis debout, là. Je suis debout et je les applaudis. Putain, je les applaudis parce que c'est un travail de très haute volée. Ce que l'on vient de voir là, ce que les gens viennent de nous donner là, ce que CD Projekt viennent de nous balancer dans la gueule, c'est un travail qu'on ne voit que très rarement. Et je vous le dis encore une fois avec toute la sincérité possible, ce jeu est exceptionnel, magistralement exceptionnel sur énormément de points. Et pour conclure là-dessus, je vous le dis, il y aura un avant et un après The Witcher 3. Bravo les gars, en plus, là au moment où je vous parle, vous en avez vendu plus de 4 millions d'exemplaires, pourvu que ça dure, parce que vous méritez largement. Par rapport à d'autres jeux, c'est clair que là, vous venez de montrer que les boss, c'était vous, c'était pas les autres. La vraie leçon de jeu vidéo sur l'action RPG, il est là. Et cette leçon de jeu vidéo s'appelle The Witcher 3 Wild Hunt. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse. Et putain de bordel de merde, là ouais, clairement, vive les jeux vidéo. Salut tout le monde, et à la prochaine.